sans effort dans le fond, un peu comme avant. Salut, comment ça va? Si tu m'aimes, que t'es tort ou raison, tant que l'on... C'est un peu stressant, mais en même temps, c'est une grosse excitation. J'ai hâte d'y être, j'ai envie que ce soit la fête, comme des retrouvailles avec le public parisien. Qu'importe qu'on se soit aimé. Bonne question, et question très difficile pour moi. Parce que j'essaie de la définir album après album, quoi, tout simplement. Et disons que la base de ma musique est hip-hop. Voilà, je suis un artiste hip-hop à la base. Et grâce au hip-hop, justement, je me permets d'explorer toutes les autres musiques. Donc j'essaie de faire une sorte de mélange entre le côté chanson française, parce que je suis né en France, hein, c'est ma culture quelque part, et ma culture, tout ce qui est black music, j'ai envie de dire, hip-hop, reggae, soul, tout ça. Oui, je fais tout à la maison, là, à 10 mètres d'ici, quoi, dans un petit studio. Et j'ai toujours fait ça, quoi. Déjà avant, j'avais un ancien groupe, je faisais la musique pour eux, quoi, et j'écrivais mes paroles, voilà, toujours. C'est un peu mon côté autodidacte, j'aime tout faire. Qu'importe qu'on se soit aimé. Pour l'instant, ce qui m'inspire beaucoup, c'est moi. Pourtant, j'ai pas grand chose à dire, hein. Non, je rigole. Non, c'est moi, c'est ce que j'ai vécu, les gens qui m'entourent aussi. Mais ce qui m'inspire le plus, c'est les gens. Voilà. C'est les gens, c'est les petits tracas, le petit quotidien, ça m'inspire beaucoup. Disons que l'énergie, je la trouve parce que je kiffe. Quand je vois le public qui est là et s'il me donne quelque chose, je suis obligé de donner encore plus, quoi. Donc c'est ça, mon énergie, c'est les gens. Un poil court qui est en tort si le passé a... Continuer à faire de la musique, là sortir un prochain album plus rapidement que j'ai sorti le second, travailler aussi sur ce qu'on appelle des EP, voilà, et faire beaucoup de collaborations, parce que je suis quelqu'un qui en fait peu, mais à chaque fois que j'en fais, ça le fait bien, en fait. Voilà. Dis-tu même. J'ai travaillé pour Tiken Jah Fakoly, je lui ai écrit une chanson, j'ai travaillé pour Juliette Gréco, je lui ai écrit une chanson aussi. J'ai travaillé avec Sid en featuring, travaillé avec Kenan aussi en featuring. J'aimerais beaucoup travailler avec M, c'est quelqu'un que j'admire. Voilà, M, je t'aime. et avec beaucoup d'autres personnes, bien sûr aussi. J'ai envie de tester, quoi. Je pense que moi, je vois ça comme des recherches. À la base, moi, j'avais deux choix. C'était soit je faisais de la musique, soit je faisais de la recherche scientifique. Quelque chose où je suis illimité, c'est-à-dire où il n'y a pas de fin, en fait. J'ai pas envie de m'ennuyer dans ma vie. J'ai envie tout le temps de me poser des questions, d'avancer, d'essayer des choses, quoi. J'aimerais leur dire, venez me découvrir sans a priori, voilà. Parce que j'ai remarqué que souvent, les gens viennent me voir et hallucinent que je rappe ou bien que je chante, quoi. Parce que je fais les deux et j'essaie de tout mettre au même niveau. Et j'ai envie que les gens prennent juste la musique sans se dire quelle étiquette ils doivent me mettre. Tant que l'on avance. Le charme des premiers jours suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Le charme des premiers jours suffira.